Et bonjour à tous, c'est Calderman, j'espère que vous allez bien. 8ème vidéo de ce Let's Play sur Dark Souls 1. Et cette fois-ci, on va retourner dans la toute première zone du jeu qui s'appelait Refuge Nord des Morts-Vivants. Et on va se débarrasser du démon errant. C'est le premier ennemi qu'on avait croisé sur notre route au tout début du jeu. Rappelez-vous, il était enfermé dans une espèce de grande salle et tout ça. On va se débarrasser de lui. Et pour cela, je vais utiliser une arme qui va faire le café. Et d'ailleurs, l'avantage, c'est que vous n'allez pas être obligé. Vous n'êtes pas obligé de l'augmenter, c'est-à-dire que même en plus 0 quoi que ce soit, vous allez voir que je vais le défoncer. Et ça va faire plaisir parce que c'est un boss, moi je me rappelle au début, qui m'avait assez embêté. Quoi qu'il arrive, vu que je vous parle rapidement de l'augmentation des armes, on va faire un tour chez André. Et rapidement, je pense augmenter ma clé mort. Pour ça, il vous faut évidemment des âmes, il vous faut aussi des fragments de titanite. Donc pour cette arme, en tout cas, c'est les matériaux qui sont demandés. Voilà, fragments de titanite, je vais en acheter du coup... je pense qu'il faut que j'en achète que 7. Dans le doute, je vais en prendre 8. Allez, 7, je vais essayer 7, on verra. Alors, c'est pas renforcer armure que je veux, c'est renforcer arme. Alors, je vais prendre la clé mort, c'est pas une arme que je vais souvent utiliser, je vais juste la prendre, notamment quand je vais traverser les catacombes, puisque c'est une arme que je vais transformer en arme bénite pour tuer les squelettes rapidement. Voilà, donc une fois que je suis à plus 5, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle disparaît de forger arme et elle va se situer dans modification des armes. Voilà, modifier équipement, elle se trouve ici. Et maintenant, à partir de maintenant, vous pouvez l'augmenter en plus 6 avec des grandes titanites. Sinon, vous pouvez lui donner, évidemment, des modifications, c'est-à-dire faire une clé mort brute ou alors une clé mort magique en insérant des dégâts magiques, etc. Donc c'est très simple, hein. Si vous avez déjà joué à Dark Souls, vous allez très vite comprendre. C'est un peu plus compliqué par la suite, notamment quand on va arriver à Norlando et quand on voudra échanger les âmes de boss. Pour récupérer des armes, vous allez voir que pour récupérer certaines armes, c'est vrai qu'on en avait parlé, mais l'épée d'Astoras, la grande épée d'Astoras, je crois que c'est un espadon d'ailleurs, il faudra augmenter une épée brisée et tout ça. Donc ça c'est ce qu'on m'avait dit dans les commentaires et je le ferai évidemment plus tard, on a le temps de toute façon. Et comme vous avez pu le voir, en fait j'ai augmenté aucune arme. Depuis le début du jeu, ça doit faire, j'ai dû faire, je sais pas, 8 zones en fait. Là, c'est la 8ème zone quasiment. Et j'ai traversé les zones sans augmenter mes armes, sans utiliser la pyromancie, sans utiliser la magie. Et ça s'est très très bien passé, donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais on va vite se rendre compte que, notamment à la forteresse de Seine ou à Norlando, le jeu est de plus en plus dur. Alors, comment aller au refuge nord des morts-vivants? C'est simple. Hein. Vous avez un raccourci au niveau de l'ascenseur. Et on va aller en fait sur les toits du sanctuaire de Lucheveux. Notamment. Hop. Oula, c'était juste. Hein. On fait une roulade ici. Et j'aime bien d'ailleurs un peu la mise en scène, l'indice que le jeu vous donne. Je sais pas, vous arrivez comme par hasard ici. Et vous tombez sur le corbeau. Et c'est ce corbeau-là qui va nous amener. Qui va nous ramener en fait au refuge nord des morts-vivants. Donc une fois que vous êtes ici, ne montez pas les escaliers sur la gauche. On le fera juste après. On va juste se laisser tomber là. Pas besoin de rouler ou quoi que ce soit. Il suffit de tomber. Voilà qui est fait. Et on va ramasser une clé. Donc elle n'est pas obligatoire cette clé, mais elle va nous permettre d'aller récupérer 2-3 objets un peu plus loin. Enfin, un objet en particulier. Donc là, ici, il y a une âme que j'avais oublié de prendre d'ailleurs. Bon, c'est une âme qui nous donne très peu d'âmes. Donc c'est pas essentiel d'aller la prendre. Et j'aime beaucoup en fait les jeux de lumière de Dark Souls 1. Vous voyez, c'est rigolo parce que là, on le voit plus. Et dès qu'on s'éloigne un petit peu, ça réapparaît. Et genre, c'est pas très très discret quoi, mais. C'est assez rigolo puisque là en fait on est au-dessus de là où il y a Petrus et ses collègues. Voilà, une fois qu'on est là, hop, on va... Donc c'est pas par ici, on va juste revenir au niveau des escaliers. D'ailleurs j'ai 2-3 choses à vous montrer. Déjà dans cette vidéo j'avais envie de vous parler de quelque chose, je le ferai en fin de vidéo. Et dans la prochaine vidéo où on va... qu'est-ce qu'on va faire dans... Je pense que dans la prochaine vidéo on va faire la vallée des Drakes. Et à ce moment-là on ira faire 2-3 choses qui sont très sympas à faire en début de jeu. Voilà, donc là on a une belle vue en fait sur le sanctuaire de Lichefeux qui est juste devant. C'est très marrant parce que rien nous indique qu'on peut grimper ici, c'est uniquement votre exploration. Et on va se positionner comme ça. Vous regardez les effets de lumière. Ah, c'est pas très discret, hein. C'est des gros rayons. C'est assez rigolo. Et d'ailleurs il y a cet arbre, un arbre géant comme ça avec des racines qui partent dans tous les sens. On a l'impression que cet arbre est vivant. Ça fait forcément penser à l'arbre géant de... Dark Souls 3. Peut-être qu'ils s'en sont... peut-être qu'ils s'en... Ils s'en inspirent peut-être, je sais pas. Allez, je vous laisse apprécier les cinématiques.
Et nous voici de retour au refuge nord des Morvians. Ça fait plaisir de revenir. J'aime beaucoup cette idée-là, surtout que certaines choses ont un peu changé, notamment la position, le level design, hein, tout simplement. Et on retrouve les petits zombies qui sont un peu plus costauds que les autres. Et l'avantage de la clé mort, c'est pas forcément son bouclier. Et vous faites des attaques de stock comme ça. Et... c'est pour ça que je l'ai augmenté aussi. J'avais pas prévu de l'utiliser, mais je trouve que c'est une bonne idée en fait. Et c'est pas cette arme-là qu'on utilisera contre le démon. Voilà donc, qu'est-ce que je vais... est-ce que je vais au feu de camp d'abord? Peut-être, je vous conseillerais d'aller au feu de camp avant de parler à Snuggly, mais bon. Oula, j'ai un lag. Ok, c'est bon, ça s'est passé. Puisque j'ai pas fait de sauvegarde, donc... bon, en même temps, je suis qu'à 7 minutes de vidéo, donc j'espère que ça va bien se passer. You, give me warm, give me soft. Ah, le petit Snuggly qui nous parle, c'est pas obligé, hein. Il n'est pas obligé de nous parler, s'il nous parle pas, c'est pas très grave. Dans tous les cas, je vais échanger un maximum d'objets, et la différence avec Dark Souls 3, c'est assez curieux d'ailleurs dans Dark Souls 1 que ça fonctionne comme ça, c'est que à chaque fois que vous allez donner un objet, donc il faut le jeter, hop, et il faut quitter le jeu, donc on va le faire, je vais le faire avec vous, parce que vous voyez, ça marche pas sinon. Il faut quitter le jeu et revenir. Et malheureusement c'est un petit peu long, donc je vais pas tout faire, hein, parce que j'ai beaucoup d'objets à récupérer. Moi ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le wiki de Dark Souls 1, et d'aller dans la page Snuggly Corbeau. Vous verrez tous les objets à échanger, donc moi j'ai pas tout, mais j'en ai bien, je pense que, on va dire, il y a sur les peut-être 15 objets à échanger, je dois en avoir 10, donc c'est plutôt cool. Et vous avez vu, hein, j'ai qu'un seul personnage pour ceux qui se posaient la question. Je n'ai pas, j'ai pas deux personnages, tout ça, donc c'est du one shot, hein. C'est juste avec mes souvenirs que j'ai du jeu. Voilà, et là on va récupérer un éclat de titanite blanc, donc je vais faire ça avec les mousses, je vais faire ça avec plein d'autres choses. Et on se retrouve, nous, juste après, eh bien, ces échanges, à tout de suite. Voilà qui est fait, donc, bon, j'ai pas pu, malheureusement c'était pas filmé, mais c'était très drôle en fait. Au moment où j'ai voulu quitter la vidéo, j'ai fait un emote pour dire au revoir, et en fait, en disant au revoir, j'ai avancé d'un pas et je suis tombé, et je suis mort. C'était très drôle, malheureusement j'ai pas pu capturer l'image. Bon bah tant pis pour moi. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai récupéré? Donc éclat de titanite bleu, donc éclat de titanite blanc, vous l'avez vu. J'ai récupéré pas mal de titanite scintillante, j'en ai 8, donc ça me permet d'augmenter mon aiguillon en plus 4, je crois. J'ai de la titanite démon, donc bon. J'ai changé vraiment plein de trucs, j'ai récupéré aussi différentes armes. Je crois que j'en ai récupéré qu'une en fait, si je dis pas de bêtises. J'ai récupéré, et ça je savais pas en fait, le grand marteau du démon. Donc j'étais pas obligé en fait de tuer le tout premier boss du jeu avec mon épée brisée, j'aurais pu juste attendre un petit peu et j'aurais récupéré l'arme ici. Bon, c'est pas très grave. Moi je vous l'ai montré avant. Et du coup nous on va poursuivre notre route. Ah si j'étais pas mort bêtement. C'est triste quand même. Donc je vous déconseille évidemment d'aller tout droit parce qu'en fait le sol est fébrile. Et à chaque fois que vous allez passer dessus, bien, il va s'effondrer, vous allez tomber sur le démon errant. Et nous ce qu'on va faire, on va juste hop, prendre ce petit feu de camp là. Et redevenir humain. C'est pas drôle d'être une carcasse. Et je vais changer mon arme. Quoique, non. Je vais peut-être changer mon bouclier. Je vais mettre mon bouclier cible. Et si je mets mon bouclier cible, c'est parce que il y a des chevaliers noirs. Donc à partir de maintenant, vous n'êtes pas obligé de les contrer pour les tuer. Vous pouvez vraiment... normalement avec vos armes et tout ça, tout ce que vous avez, l'arsenal, moi j'utilise toujours les trucs comme je veux en fait. J'optimise pas du tout mon équipement. Sinon, comme je disais, j'aurais augmenté ma pyromancie, etc. Oula. Je vais peut-être éviter de mourir. Et surtout, arrêter de parler pour me concentrer. Enfin, je fais 288 de dégâts. Raté. C'est vraiment mon point faible, hein, du jeu. J'ai pas du tout les timings de contre. Pour ceux qui ont pas... hop. Ah, il est pas mort. Tiens, meurs. Merci. Tous, pour ceux qui n'ont pas eu l'espadon un peu plus tôt dans le jeu, eh bien, vous avez la chance de l'avoir. Surtout que je crois que le dernier chevalier noir qu'on va pouvoir... trouver notamment grâce à la clé qu'on a trouvée plus tôt,
Eh bien, je crois qu'il a 50%, 40 ou 50% de vous donner l'espadon. Donc, ça, c'est cool. Et nous avons notre ami. Ah, je me rappelle plus son prénom, mais le chevalier d'Astora. Celui qui nous a donné la clé pour nous en sortir. Et les fioles d'Estus, qui s'est transformé en carcasse et qui fait rien, et qui attend. Et d'ailleurs, c'est plutôt drôle parce que j'avais remarqué dans une vidéo des mecs qui faisaient des blagues comme ça dans Dark Souls. On peut l'attirer assez pour qu'il se prenne la boule. Et ça, c'est rigolo. Voilà. Je crois d'ailleurs on peut l'attirer un tout petit peu. Attendez. Il va s'avancer, puis après, il bouge plus, je crois. Hop. Et si vous partez assez vite, il va se mettre proche de l'entrée et vers l'entrée. Et c'est à ce moment-là, en fait, vous pouvez faire lui faire tomber la boule sur la tronche. Ah, peut-être que c'est le cas. Non, il est pas assez loin. Ah là, c'était bon. Bon, dommage. Malheureusement, j'ai foiré mon coup, c'est pas gênant. Donc c'est un ennemi qui est... bon, il est pas très très méchant. Évitez de vous battre dans les escaliers. Je pense que c'est une mauvaise idée. Je me précipite sur mes timings de contre. Et c'est marrant parce que généralement les gens aiment bien se battre ici contre lui. 80% du temps les gens se battent ici, c'est rigolo. Bah alors mon grand, tu fais des esquives? Bah oui. Pauvre petit gars, hein. Il était super gentil avec nous. Il était destiné à devenir une carcasse parce que c'est même lui qui nous l'a dit. Donc c'est triste. Et nous donne l'écusson. Et le cuisson, c'est une très bonne chose qu'il nous le donne, puisque c'est un bouclier qui résiste très très bien à la magie, qui a 80% de résistance. Enfin, c'est pas 80%. Quoique, c'est... Si, si, c'est en pourcentage. C'est 80% de résistance magique, et ça tombe bien, puisque le boss que nous allons tuer dans quelques instants fait des dégâts magiques. Là, des boucliers bleus enchantés, le bouclier bleu a donné réduit nettement les dégâts magiques, donc c'est très bien. Donc, il n'y a pas non plus 50 millions de choses à faire ici. Vous pouvez revenir sur vos pas, et c'est ce qu'on va faire. En fait, on prend exactement la même route hein, que d'habitude. Là, la position des ennemis est la même. Sauf que cette fois-ci, nous donne 121 âmes. On va rencontrer deux chevaliers. Et on retrouve vraiment cette idée des premières zones du jeu qui sont vraiment pour nous mettre dans l'ambiance et pour nous mettre vraiment dans des conditions assez extrêmes et pour nous faire comprendre que nous, on part vraiment du fin fond en fait de la hiérarchie. Rappelez-vous, dans Dark Souls 3, on sort d'un cimetière, hein, c'est pas rien quand même. On vient d'une tombe, on est dans un cimetière et on arrive à Lichfeu. Et là, c'est un peu la même idée, sauf qu'on est vraiment dans un refuge, carrément, avec des carcasses et tout. Donc j'ai récupéré l'anneau de Farouillé, c'est un anneau super important, et c'est pas pour rien, en fait, si je fais cette vidéo maintenant, et ce parcours tout de suite. C'est tout simplement parce que dans les vidéos qui vont venir, donc pas la prochaine, puisqu'on va faire la Vallée des Drakes, je pense, mais dans l'autre, où nous allons, en fait, devoir tuer un boss qui se situe dans l'eau. D'ailleurs, c'est pas considéré comme un boss, puisqu'il n'a pas la barre rouge, en fait, qui est marquée. Dans tous les cas, ça reste quand même un ennemi qui peut être considéré comme un boss. Et il se retrouve en fait dans un espèce de grand lac et on va devoir évidemment se déplacer, et avec l'anneau ferrouillé, eh bien on peut se déplacer dans les eaux profondes, et ça c'est cool. C'est pour ça que je suis venu là tout de suite. Hop. Nous, on va juste... c'est pas par ici, c'est par là. Allez se débarrasser du dernier chevalier noir. D'ailleurs regardez, allez, je suis ralenti là, et ce qui se passe c'est que si je mets l'anneau, eh bien, celui-ci, je peux courir. Et franchement, ça peut paraître anodin, mais vous verrez que... Vous allez voir, hein, le fameux « vous allez voir ». Eh bien, que ça va être très très utile. Je suis sûr que vous avez hâte de savoir quelle arme est super puissante contre le démon Héron. Et je vous avouerai que le jour où j'ai découvert cette arme, enfin, j'ai rien découvert du tout, hein, c'est juste qu'on me l'a dit, mais le jour où on m'a dit, tiens... Essaye cette arme, tu vas te régaler, et effectivement, c'est n'importe quoi.
Voilà, donc c'est ce chevalier noir qui a, je crois, un pourcentage augmenté. Oula. Oula, par contre, il fait très mal, je trouve, monsieur. Hop, je vous l'ai pas dit, hein, mais j'en ai profité pour augmenter aussi. J'ai embrasé la flamme pour avoir 10 potions. Normalement, j'en aurais pas besoin contre le boss, mais dans le doute, autant le faire. Il va me tuer, hein. Ah oui, bah oui. Bon, en même temps, je suis pas très concentré. Oh non, c'est ma troisième mort. Je suis mort contre Ravel, je suis mort en tombant du trou à Snowy. Et je suis mort contre ce fameux foutu chevalier noir. J'ai vraiment, faut que je m'entraîne parce qu'en plus, c'est pas très compliqué. Hein. Vraiment, les timings sont assez élevés. Et je me rappelle la première fois que j'ai joué à Dark Souls 1. Pour moi, les contres, j'ai pas fait un seul contre en fait de ma première run parce que je savais pas que ça existait. Et le jour où j'ai su que ça existait, bah en fait je l'ai pas fait tout simplement parce que j'avais peur et j'avais pas assez confiance en mes capacités de joueur pour contrer les ennemis. Et même dans Dark Souls 3, c'est pas quelque chose que j'exploite beaucoup. Et là j'ai décidé dans ce let's play, puisqu'on est là quand même pour apprendre et s'amuser, je me suis dit c'est quelque chose que je vais vraiment essayer d'apprendre une fois pour toutes. Bon, c'est vrai que j'ai tué quand même le chevalier Gundyr qu'à la parade, et ça c'était vraiment cool, lors de ma run SL1 en plus, ça c'était vraiment chouette. Et c'est à partir de ce moment où je me suis dit, je parle beaucoup trop. Hop, voilà, c'est mieux. C'est là où je me suis dit que je vais essayer de m'entraîner à parer les ennemis. Notamment, j'aimerais bien parer plus souvent Sullivan. Vous voyez quand je me concentre, c'est beaucoup mieux. Hop là, je préfère être en dessous dans les escaliers parce que comme lui il attaque tout le temps à l'horizontale, enfin il attaque devant lui, son épée a une grande chance en fait de passer au-dessus de moi. Ouais. Sinon vous faites ça pour tuer un seul coup plus rapide. Gardez à l'idée que si vous devez vous battre, essayez dans des escaliers, essayez de vous mettre dans la position de celui qui est en dessous. C'est beaucoup mieux. Parce que vous lui touchez les pieds, mais lui, il va toucher en fait. Il va rien vous toucher juste au-dessus de votre tête. Voilà, rappelez-vous, il y avait un cadavre ici, et il n'y est plus. Alors, est-ce qu'il a réussi à sortir? C'était pas un cadavre d'ailleurs, c'était un squelette. Oui, oui, j'arrive mon grand, ne t'en fais pas. J'arrive te voir. Il y avait un squelette et à mon avis, il a dû sortir ou mourir, je sais pas. On ne connaîtra pas son histoire. Et voilà. Voici l'arme qui va rendre ce combat anecdotique. Alors en fait, ça peut être un combat vraiment difficile. C'est l'Ushigatana. Et principalement, c'est pas une question de l'Ushigatana, c'est une question d'armes qui vont faire des dégâts de saignement. Donc si vous possédez une dague ou n'importe quelle autre épée courbée qui fait des dégâts de sang, eh bien, mettez-la. Pour la simple et bonne raison que je sais qu'avec l'Ushigatana, enfin en tout cas on m'a dit, hein, je vais l'essayer. Aussi bien c'est, je me suis fait prank, comme on dit, comme disent les jeunes. Mais peut-être que je me suis fait avoir, ou dans le sens où ça marche pas du tout. Mais on m'a dit, prends une arme qui fait des dégâts de saignement et tu vas marcher sur le boss et on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, c'est l'un des seuls boss où il n'y a pas de PNJ à invoquer pour vous aider. Une fois que vous êtes ici, essayez de vous mettre dans un coin. Voilà, parce que le boss est derrière vous. Donc le boss a un pattern extrêmement simple. Il a cette première attaque où il fait des dégâts magiques. On enlève 50% de ma vie, ça va. Et il va souvent la répéter en boucle. Donc pour ça, vous mettez derrière. Hop, vous soignez. Et vous tournez autour de lui. Essayez tout le temps d'être derrière lui, en fait. Voilà, là c'est un dégât magique. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est 3 coups. 1, 2, 3, et boum. Oh ah oui, effectivement. Voilà, donc il a cette attaque où il essaye de vous écraser. Ça, c'est vrai, elle est vraiment pas méchante. Là, quand il fait ça, vous savez que c'est son attaque magique. Il suffit d'être derrière. Je vous rappelle, hein, j'ai pas augmenté mon Ushigatana. Voilà, tranquille. Là je pourrais le taper mais je préfère en fait utiliser mon temps pour me déplacer.
C'est vraiment un combat de patience. Et je lui ai enlevé déjà un tiers de sa vie. D'accord. Donc c'était pas une blague. Les dégâts de saignement sont très très forts. Marche très très bien contre lui. Hop. 1, 2, 3. Oh là là là. Je pourrais taper presque 4 fois, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment utile. Et on va abuser de ce pattern. C'est pas un boss super passionnant. Oh là là. Et dire que j'avais tellement galéré. Et qu'il suffisait juste d'utiliser les saignements. D'ailleurs, je suis pas convaincu que monter son katana aurait fait beaucoup plus de dégâts en fait. Je suis vraiment pas sûr du tout, du tout. Deux, trois, ouais, c'est ça, c'est trois coups. Et vous lui enlevez, je sais pas, peut-être 3, 4, voire 5% de sa vie. C'est énorme. Il fait son autre attaque. Alors généralement si vous restez devant lui, en fait il va utiliser sa main gauche. Oh là là, c'est énorme. Et il va balayer en fait ce qu'il y a devant lui. Mais malheureusement, bah là, il a pas eu le temps. Bon, je vous avouerai que j'avais prévu entre 10 et 15 minutes de vidéo pour ce boss, parce que je savais que j'allais être en difficulté. Mais depuis qu'on m'a dit ça, bon, bah écoutez. Alors il nous donne une tablette de titanite, ça fait partie des mises à jour qui ont été apportées à Dark Souls 1 longtemps après sa sortie. Et voilà, je vais rendre hommage à la pauvre carcasse qui s'est fait évacuer directement dans les barreaux là-bas. Ouais mon gars, cette victoire, elle est pour toi. Quoi qu'il arrive, je voulais vous dire quelque chose. J'ai fait une petite bêtise, enfin une petite bêtise, c'est rien de grave, mais je vous ai dit en fait que vous n'êtes pas obligé d'acheter le symbole d'Artorias auprès d'André. Vous savez, c'est un objet rond comme ça qui va permettre d'ouvrir une porte. Et malheureusement, moi je vous ai dit en fait qu'il était possible de la contourner. C'est vrai, il est possible de la contourner. Mais par contre, pour l'ouvrir, cette porte, pour ouvrir en fait ce raccourci, vous êtes obligé d'acheter ce symbole d'Artorias. Donc si vous avez 20 000 âmes, comme c'est le cas pour moi, je vous invite à aller voir notre ami André le Forgeron et de lui acheter ce symbole, comme ça au moins c'est fait. Sinon, si c'est pas le cas, essayez de farmer un petit peu, d'avoir ces 20 000 âmes et d'acheter ce symbole. Vous allez, quoi qu'il arrive, en avoir besoin. Et comme je vous dis, on n'en a pas spécialement besoin pour... arriver au serment pour arriver à Noirsouche, tout ça, mais vous en avoir besoin en fait lorsqu'on voudra tuer Sif, parce que ça permet de débloquer le raccourci au feu de camp. Voilà, donc c'est une petite bêtise de ma part. Il va y en avoir plusieurs, hein, c'est tout à fait normal, c'est pas un guide, donc dans un guide évidemment j'aurais réfléchi avant de parler, je me serais renseigné. Là j'étais presque sûr, bon c'est pas très grave. Voilà. Et oui, ils sont vraiment embêtants quand ils sont plusieurs, hein, c'est une... Allez, bah du coup on a terminé cette zone, le refuge des nord des morts vivants, eh bien on va plus jamais y retourner. C'est l'une des zones en fait qui est vraiment, faut vraiment se téléporter pour y accéder. Et c'est pour ça qu'on va, dire au revoir, parce que c'est une zone qui est plutôt jolie. Et puis peut-être à une prochaine fois. C'est vraiment une zone très chouette. Ah, n'empêche, ça fait du bien de rentrer au sanctuaire de l'Uchefeu. Donc il nous reste deux petites choses à faire. La première, c'est que je voulais récupérer l'âme qui se situe juste à côté. D'ailleurs, on la voit pas là, c'est marrant. Il y a vraiment une distance d'affichage pour les âmes, j'ai l'impression. Et là, on la voit. C'est curieux. Je sais pas si on peut sauter directement de là. Hop. Ah si. Voilà. C'est une âme. Ça apporte pas grand-chose. Mais surtout, la deuxième chose que je voulais vous montrer, et c'est quelque chose qui moi, m'a marqué... Et on fait pas forcément gaffe aux détails quand on commence à jouer au jeu. Mais pourtant, il y a bien quelque chose qui devrait nous faire dire « Tiens, à mon avis, il va se passer quelque chose la première. » Une fois que vous avez débloqué en fait la première cloche, vous entendez quelqu'un ronfler. Et à ce moment-là, ça met la puce à l'oreille. On se dit « Mais où est-il ? »
et peut-être bien qu'il est en dessous de nos pieds. Et en fait, quand on regarde, c'est assez parlant et visuellement, on se rend bien compte qu'il s'agit en fait d'une grande porte. Et cette porte-là, en fait, on n'a pas fait gaffe la première fois qu'on est venu. Et ça, c'est rigolo. C'est marrant de passer à côté de ça et de se dire que tiens, à un moment donné, on va forcément y aller. Après, évidemment, je ne sais pas pourquoi. Mais ça donne un indice notamment sur le fait, lui, on l'entend ronfler quand on ouvre la première cloche. Quand on va ouvrir la deuxième cloche, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vais augmenter une nouvelle fois mon intelligence pour passer à 22, c'est parfait. Et, je vais même pouvoir passer à 23 si j'utilise une âme. Et on se donne rendez-vous du coup pour la vallée des Drys. C'est une zone assez difficile. Vous n'êtes pas obligé de la faire maintenant. C'est pour ça que j'ai décidé d'augmenter mon aiguillon à plus 4. Je pense que ça va me faciliter la tâche pour la vallée des Drys. Et si vous avez 20 000 âmes, n'oubliez pas d'acheter le symbole d'Artorias. Au moins, ça sera fait. Je vous remercie. Et puis, on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao. Oh, il est quand même classe, mon perso. J'adore cette tenue. Ah, faudrait que je change d'armure aussi pour vous montrer les nouvelles. Bref, ciao.